jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi ce calme? Pourquoi ce silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC que vous suivez tous les jours sur notre chaîne HK Today Télévision depuis les États-Unis.
Bonjour, bonsoir à vous tous qui suivez cette émission depuis l'Europe, l'Afrique et bonjour aux amis canadiens et américains puisqu'on est encore la journée, pratiquement 11h heure de Los Angeles, 11h07. Merci beaucoup chers amis partout où vous êtes et je n'oublie pas ici les amis de la Chine qui sont aussi à qui je vais dire également bonjour puisque vous êtes déjà le matin. Alors chers amis, je vous aime bien. Voilà pourquoi je suis encore ici pour commencer la semaine ensemble, la semaine en famille. Bon début de semaine à vous tous qui attendez déjà l'émission. Merci, je vous aime bien. Je vous aime bien. Nous allons nous partager les informations du pays aujourd'hui, comme vous l'avez constaté. Nous avons mentionné dans notre thème, est-ce que les divorces sont consommés entre l'Église catholique et Martin Fayulu? Ça, c'est une première partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, ça sera peut-être demain ou après-demain, nous allons aborder qu'est-ce qui a poussé l'Église catholique à arriver là où elle est arrivée aujourd'hui si le divorce est consommé entre Martin Fayulu et l'Église catholique. Vous savez que nous avons toujours pris notre temps à vous vérifier des informations pour ne pas vous raconter du n'importe quoi. Alors, nous sommes en train de rassembler les informations pour venir vous dire qu'est-ce qui a poussé l'Église catholique à faire ce demi-tour à 90 degrés. Alors, nous aurons à vous présenter les dessous, de réels dessous des cartes demain. Alors, si pas demain, mercredi, puisque nous sommes en train de rassembler les informations. Mais ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui est que les divorces sont en téléchargement. Bon, c'est déjà presque consommé à 98%. Je vais vous dire pourquoi je l'ai dit et quelle est la conséquence de cette séparation. Imaginez-vous, attention, les mariages Église catholique et Martin Fayulu ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis réunion, il y a opposition à Genève. Je vais revenir là-dessus puisque nous avons toujours une courte mémoire, nous avons toujours une petite confusion. Et nous ne voyons que l'aspect présent, le présent, sans pour autant penser au passé. Alors, nous allons nous focaliser sur les dossiers du jour, parce que vous avez besoin, vous avez droit de connaître comment les choses évoluent dans le pays. Et c'est ça notre travail, de vous donner des informations fiables. Dans cette émission, Nakolobela Mouke Makambo Itali, Bandeko Oyo, qui se sont développés, qui se sont mis à la place publique pour amplifier les termes qu'on appelle tribalisme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas concret de quelqu'un qui, au moment où nous parlons, se retrouve seul, puisque il a combattu, il a utilisé le tribalisme comme mode de se faire des noms. Mais aujourd'hui, il est seul. Restez ici, je vais vous montrer de qui je parle et comment est sa situation au moment actuel. Je terminerai cette émission par un message. Un message que j'adresse à qui? J'adresse ce message à la famille présidentielle du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne parle pas de sa famille politique. Je parle de sa famille biologique. Ce message, avant de quitter l'émission, ce message sera le dernier à la fin de cette émission. Qu'est-ce que je vais dire à la famille biologique du président de la République? J'ai un message. Et si vous connaissez quelqu'un qui est de la famille présidentielle, Soki Boyebi, partagez-le, émission Yalelo. Alanda, surtout la dernière partie de cette émission. Soki boyebi ete, coupez cette partie, botindelaye. J'ai un message à la famille biologique du président de la République. Alors, pour commencer, chers amis, partageons quelques informations du pays avant d'entamer notre main sujet, Yamunene. Je vous ai parlé de ces messieurs la fois passée, Willy Bakonga,
qui ne se retrouve plus en prison. Est-ce qu'il était, comment dirais-je, il était en fuite, il s'est évadé, est-ce qu'il a été libéré, est-ce que, non, Willy Bakonga a été bel et bien, je vous montre, Willy Bakonga a été bel et bien libéré. Alors, c'est une inquiétude profonde. Comment je vais vous présenter ces documents? Voilà. Bon, peut-être vous allez voir ça. Non, désolé, documents, ils sont en position. Position, oh, ils ont. Il fallait qu'ils allaient en position tout droit, mais ils sont en position. Et là, là-dessus, lesquels, on a les noms de Willy Bakonga. Mais qu'à cela ne tienne, je ne saurais pas tourner ça en pleine émission comme ça. Mais on a retrouvé les noms de Willy Bakonga sur la liste de gens qui doivent bénéficier de la grâce présidentielle. Alors, en définitive, on a compris que c'était une tricherie. Willy Bakonga ne méritait pas être libéré pour l'instant. Parce qu'on évoque les gens qui ont la peine en dessous de 5 ans et pour des faits, ainsi de suite. D'accord. Mais ici, nous sommes tous en train de crier à cette manipulation de la justice. Justice Oyo, Joseph Kabila Tika, justice qui a fait 50 ans, ou disons 32 ans avec Mobutu, 18 ans ou 20 ans avec Kabila. C'est très difficile de changer ces gens maintenant. Voilà pourquoi nous insistons avec, nous demandons au président de la République, Monsieur le président de la République, est-ce qu'il n'est pas encore temps de pouvoir changer tout ce monde, même ceux qui vont changer Bango, c'est toujours dans la poubelle du judiciaire là, et dans un papier de la justice congolaise, dans une poubelle, on ne peut pas ramasser un bon papier sur lequel on va rédiger une lettre. La justice est en train de rendre un très mauvais service au président de la République. Monsieur le président, je ne sais pas si vous le comptez, vous êtes aussi conscient de ce que je suis en train de dire, la justice est en train de vous rendre un très mauvais service. Il est temps de pouvoir punir. Alors, pour l'instant, ça c'est l'information que je viens d'avoir avant que je ne monte sur ce plateau. D'abord, je vous ai dit la fois passée que Madame la ministre a ordonné à ce que Willy Bakonga azonga na prison. Alors, on se pose la question, où serait Willy Bakonga? Question mark. Mais il n'est pas encore de retour en prison. Il n'est pas chez lui. Alors, au moment où j'ai fait cette émission, les magistrats de la Cour constitutionnelle et ceux de la Cour de cassation sont en train d'entendre les directeurs de la prison centrale de Makala et les directeurs de l'administration sur la libération de Willy Bakonga. Donc, les sanctions vont tomber peut-être dans les heures qui suivent. Je pense que ça va être un exemple, Monsieur le Président. Si Willy Bakonga, tout le monde nous sommes convaincus que Willy Bakonga n'a fait que 7 mois en prison et il bénéficie de cette grâce présidentielle, c'est un souci pour tous les Congolais qui disent « Ah bon, la justice est en train de travailler. » En même temps, en amont, vous travaillez. En aval, ce même travail-là, ces gens arrêtés et condamnés sont libérés. Alors, est-ce qu'on est en train de donner un très bon message à la population ou on est en train de faire la population comme ça. On a mis comme ça pour que base au bleu, base au vertige. En même temps, on parle de la justice. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Alors, donc, nous espérons que dans les heures qui suivent, je pourrai peut-être vous annoncer d'autres décisions par rapport à ça. Je suis celui qui condamne cette libération frauduleuse de Willy Bakonga, qui fait la honte de la justice. Et nous espérons que le président de la République, va pouvoir se pencher sur la situation et nous serons édifiés. Autre chose, j'ai toujours parlé du sujet, il y a tribalisme. Il y a beaucoup de gens entre nous, Topanzana, Tokabwana, seulement pour le mot tribalisme. Tikana soutenir Tshisekedi puisqu'il est de chez moi. Tikana soutenir Fayoulou puisqu'il est de chez moi. Tikana soutenir Katumbi puisqu'il est de chez moi. Tikana soutenir Jean-Pierre Bemba puisqu'il est de chez moi.
Et voilà, complètement, nous sommes complètement toute la communauté congolaise, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur du pays, des chirurgies Reza. Donc, Kabouani, Likolo Abatu. Mais la plupart des gens ont toujours encouragé tribalisme, toujours Kabouana, les uns les autres. Parfois, on les fait de manière isolée, sans un appui. C'est ça aussi le problème. Est-ce que Martin Fayulu a yébi bloko zolo bawana? Est-ce que Moïse Katumbi a yébi yo que na yébi yo, na pesaka yo mbongo kende, o bunda, o kabola batu, amplifie ses discours? Je pense que ebele bazo salamon na ndenge na bango, peut-être sentiment ya kosala, et voilà, parfois ça tourne mal. Je vous ai parlé une fois de ces messieurs. Je pense que vous allez reconnaître ces messieurs qui s'appellent Kabwe Katanga ou Katwe Katanga, quelque chose comme ça. Kabwe Katanga. Ces messieurs, Baza Ebele, hein, il a donné des ultimatums aux Kassaïens, aux Katanga. Chers amis, partagez-moi cette émission. C'est une émission choc aujourd'hui. Partagez cette émission. Recommandez l'émission aux autres personnes. Ce monsieur s'est livré à des insultes. Après ça, il ultimatum et belé na ba Kassaïen na Katanga. Il a dit, les Biloulou, les Kassaïens, vous n'êtes pas chez vous, quittez les Katanga. Telle date, maison par maison, on va vous couper des têtes. Telle date, et si m'a raté. Et personnellement, j'avais constaté que ce monsieur, soit il a un problème dans sa tête, soit Azo Salaba buzz na YouTube. Aloba, Pesaba Iltimatoma, Finga, Loba, tous. Les messieurs a été traduit en justice au Canada. Voilà pourquoi na tuna bino nabi. Est-ce que bon mona kaye les sources na internet? Peut-être beaucoup de tralakou mona les sources na internet. Je suis sur le dossier de ces messieurs. Les messieurs, Namini Totozoloba, il est seul. Vous là qui encouragez le tribalisme, bon, ma kuna puisque Oana a ça ceci, ça l'a boyé. Un jour vous vous retrouverez seul, comme le cas de ce monsieur Katwe ou Kabwe Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur Azaki n'a pas 4 avocats. Son procès est confirmé pour le 14 janvier ici. Donc, dans quelques 1 mois et demi. Ma avocat n'a vu les balandés, les dossiers n'a bien. Ma moni tous les propos. Puisque c'est pourquoi moi je vous encourage. Quand vous tombez sur des propos incendiaires, locaux, et à Moutou Yaboui, Baza et Bélé, coupez-moi seulement. Mais peut-être je ne suis pas en mesure de suivre toutes les émissions. Ce que moni, n'est-ce pas moni de Komoko na Europe à l'Obi. Bissoliban, là, nous avons fait notre travail. Vous, l'armée en RDC, faites les vôtres. Bon, mon akate makamouileki na Tchad. Bon, mon ite makamouileki na Niger. Faites votre travail. Les messieurs appellent l'armée à assassiner Tshisekedi ou soit à déstabiliser le pouvoir. Je dis, est-ce que même Soki armé, bomi Tshisekedi lelo, toi, tu vas remplacer Tshisekedi? Pourquoi vouloir la mort de quelqu'un pendant que toi, tu n'es même pas à 0 mètre de là? Tu diras que Belgique est un moussique. Je parle 0 mètre du pouvoir. Toi, tu es un communicateur. Quand tu appelles l'armée à tuer Tshisekedi, Tshisekedi a koko fako kendenaï, est-ce que tu es sûr que tu vas répandre le pouvoir? Et si tu n'es pas sûr de répandre le pouvoir, soit c'est la haine qui te pousse à dire ça, soit... Bon, puisqu'on ne peut pas dire que c'est la politique. La politique, on voit les intérêts. Intérêt, donc si on tue Tshisekedi, mon calcul sera que ce qui m'a bombé, moi j'ai mon cousin ou mon grand frère qui est le président du Sénat, constitutionnellement c'est le sénateur qui va passer. Mais quand on te regarde, c'est rien du tout, tu es loin même de la réalité. Pourquoi vouloir la mort de quelqu'un? Chers amis, je l'ai dit ici, quand tu t'aimais debout, au lobby, Babo Melanga Martin Fayulu, aujourd'hui ou jamais, tu vas gagner quoi, ce que Martin Fayulu a continué à m'abeler. Voilà pourquoi notre pays
n'avance pas. Notre pays n'avance pas, puisque tu vois, même en Europe, nous ne sommes pas soudés. Ça, c'est, je ne sais pas, c'est le comportement des Congolais. Même en Europe, même aux États-Unis, on commande à les Congolais, puisque accueillir qu'on défend car et moko y a bien et commis problème à commis ennemi. Même si on a Kofi, on a et peut-être que toi tu restes dans ton coin. Et la personne est partie. Congolais, tout on a kamayé très souvent. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Un communicateur qui appelle l'armée à faire comme ce qu'il y a eu au Tchad, ce qu'il y a eu dans d'autres pays. Nabi Seigneur, il est en train d'appeler l'armée à la révolte et pour qu'il déstabilise les institutions. Qu'est-ce qu'il va gagner? Donc, c'est l'ignorance et c'est la mauvaise foi. Alors, chers amis et messieurs, se retrouve seul. Procès n'a été confirmé les 14. Avocat Nyos 4 Baboy. Nous avons vu les éléments pour lesquels nous devons prendre ces dossiers en charge. Nous ne sommes pas en mesure de défendre un tel monsieur. Alors là, reporter procès Oyo chaque jour. Monique, cette fois-ci, les 14, les messieurs, va être devant la justice. Mais regardez, moi, je vois déjà la souffrance de ces messieurs. Aïebi français, anglais, aïebi angote, puisque quand je vous donne, si je vais vous donner ces propos en anglais, ben vous allez dire, mais attends. Et puis, ce qui est bien à savoir, les gens, il y a Ajaboye, qui sort d'une province comme la province du Katanga, et qui ne parle pas en langue française, c'est déjà quelqu'un qui était soit à Zamoupaya, puisque je sais que la province du Katanga, avec les enfants de leur époque, ce sont des gens bien instruits. Puisqu'à l'époque, éducation, ce qu'on a là qui côté à Jekamine, ce qu'on a là qui côté à... Donc, l'éducation na Katanga, ils ont là qui coûte les autres. Bah, ça qui na concurrence na Kinshasa. Peut-être qu'ils étudiaient plus mieux que Kinshasa. Mais ces messieurs ne parlent ni français, aïe bien ngote, l'anglais, aïe bien ngote, ya mouboulou, ya mabé koutou. Dans en quelle langue il va se justifier devant la justice le 14 janvier. Avocat tout baboui. Les messieurs se trouvant coincés, voici le message qu'il envoie au Katangais pour qui il défendait. Écoutez ce qu'il dit. Voilà un petit message que je vais lancer à mes frères et sœurs du Katanga que j'aime beaucoup. Super. J'ai toujours aimé, que j'aimerai toujours. Donc vous, vous étiez content quand vous voyez Kibwe Katanga qui allait faire des vidéos, insulter les Kassaïens, vouloir faire chasser les Kassaïens. Ah, vous m'envoyez des messages, m'encourager, me pousser encore de le faire. Maintenant, dès que j'ai eu des problèmes, vous êtes où? Vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Vous avez organisé même une petite marche, même avec trois personnes devant l'ambassade du Canada pour qu'on puisse me relâcher, qu'on me rende mes passeports. Le Canada a traumatisé mes enfants. Le Canada nous a traumatisés. Le Canada continue encore à resserrer les taux. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez même cotisé même $1. Je viens de voir maintenant votre vrai visage. Les masques sont tombés. Maintenant que moi, je ne veux pas faire ces histoires, entrer dans la guerre et faire des divisions. Vous m'insultez, me traitez d'escrocs, me traitez de traîtres, me traitez de tous les mots. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Oui, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Vous vous cachez tous dans les lits ou sous les lits. Voilà. Oh, tu n'as moins, hein, ben, mufunga kinywa. Hein, tu n'as moins à couler avec lui à ta foine, na bibi ya ke muzungu, na batote ya ke ba metti sur tout à voir, qu'il a la foine. Les masques sont tombés, hein. J'ai vu vraiment votre vraie image, votre vrai visage. Alors. Chers amis, les messieurs, vous avez suivi ces messages-là. C'est un aveu de déception, c'est une déception. Il est abandonné par tous les Katangais. Vous êtes où? Défendez ces messieurs. Allez défendre ces messieurs en justice.
Il dit, vous m'avez poussé à lancer des messages de la haine contre les Kassaïens. Vous m'avez poussé à donner des ultimatums aux Kassaïens. Aujourd'hui, vous êtes où? Je suis seul. C'est le monsieur qui dit. Vous savez que moi, je ne suis pas ce genre de journaliste qui tripote des choses pour venir raconter des choses. Les messieurs se retrouvent seuls. Ni cotisation, ni bongo kutuyama motivation que Basunga yé et pas avocat. Il est seul, les 14, il sera seul à la barre, sans avocat. Il dit ngana kanisa ki, bo ko sa la marche na l'ambassade du Canada. Aujourd'hui, les masques tombent. Je comprends qui vous êtes. Il dit au Katangé. Vous aussi, et loko yete abino. Moussou Swazali, je ne souhaite pas évoquer tout ici. Moussou Swazali, ba avocat ba boye, toujours au Canada. Azana justice. Ba avocat ba boye, il est seul. Il se présentera seul. Puisque quand les avocats regardent les dossiers Balobi, comment je vais défendre un tel monsieur? Chers amis, il n'est pas temps de pouvoir penser à la division des Congolais, de pouvoir penser au tribalisme en RDC. Travaillons dans la beauté des choses. C'est ce que j'ai toujours dit. Travaillons dans la beauté des choses, travaillons dans l'unité. Moi, je demande à tous les Américains, vous qui suivez cette émission, c'est votre émission. Toutes les communautés congolaises, dans tous les différents États, d'abord, cette émission, c'est pour vous. J'ai besoin, il y a qu'au tombe là-bas, bah, Congolais tout, qui se distingue dans tel ou tel autre domaine. Je ne connais pas dans cette émission sentiment, il y a haine, sentiment, il y a tribalisme. Je donne le même message aux amis de l'Europe. Oubliez que je m'appelle Honoré Kabongo. Oubliez mon nom. Regardez le travail que je fais. Travaillons tous dans la beauté des choses. Ils sont seuls. Les dossiers, ils ont souri 6. Aujourd'hui, je vous parle seulement de ces dossiers. Je vais vous parler des autres dossiers. Dans la Kisabino dossier, il y a Yumbi. Na place à Zali. Na dossier, place na Yekoti Angunda. On croyait que Yumbi faisait un travail pour la RDC. Non, il était en train de préparer Ngunda Naye. Mais qui va défendre Ngunda? Il faut que des avocats kassaïens défendent Yumbi. Des avocats de Milvor. J'ai dit, chers amis Milvor, si vous tombez sur les dossiers de Yumbi, s'il vous plaît, ne remettez pas le mal contre le mal. Pour défendre Yumbi, Azwa Ngunda Naye, mes dossiers sont en justice, déjà bien préparés. On accumule, on ajoute d'autres preuves. Ce qui, le gouvernement canadien a copé ça, Ngunda Naye, ils ont atteint à Mokongoya, oh non, Milvor Mutubasali. Défendez-le. Et finalement, au Yébissé Olobi, la personne qui te défend, c'est un Milvor. Il n'a pas de rancune contre qui que ce soit. Donc, chers amis, donnez ce message aux autres là. Peut-être prochainement, je vais vous parler de l'autre, que vous connaissez d'ailleurs mieux. Et prochainement, je vais vous parler. Il y a deux qui sont aux États-Unis, que moi, personnellement, je cible. Qui, pour eux, quand ils parlent d'une tribu Luba, c'est vraiment une pourriture, c'est vraiment de matière fécale, en fait. C'est ça, les termes. On est ici, dans ce pays. Aucune pierre ne restera au-dessus de l'autre sans qu'elle ne soit renversée. Ainsi dit la Bible. Donc, continuez toujours la lutte. Et ceux-là qui amplifient les tribalismes, allez-y, bonne chance. Mais un jour, vous resterez seul comme Katanga. Chers amis, nous passons ce sujet-là, nous abordons notre sujet du jour. Et puis, à la fin de cette émission, je dis, j'ai un message très important à la famille présidentielle, non, à la famille biologique du président de la République démocratique du Congo. Avant d'aborder notre sujet du jour, ma tête en poignée est sortie, il a tenu un point de presse, et dans ce point de presse, ma tête en poignée accuse le gouvernement congolais et il accuse même le Sénat. Alobi, Sénat Oyo a protégé Kingaï un temps, mais maintenant il est commis Sénat Moko. Alobi, Sénat Moko, traître, c'est ça le terme qu'il a utilisé. Pourquoi? Il a constaté que Sénat
Azo livré facilement, il ne pouvait pas être livré de cette manière-là. Je vous invite à suivre un extrait de Matata Mponyo. Je reviens à vous. Et est-ce que tout le monde comprend la notion de l'état de siège comme tout le monde? Suivez ça. Makambo yolobi ya ya état de droit. Na ebité bino batu bokolo basoki oyonga na zo vivre. Ekokani na état de droit ou pas? Congolais zalaki na extérieur du pays. Balobi justice est entendre azongi na yo. Alobi akene ko se faire soigner baboyi. Sénat est rejeté, demande à lever des immunités. N'a introduire na Sénat, demande autorisation. N'a qu'un de l'extérieur, pour ma cambo santé, Sénat est boui. N'a n'a pas de bino awa, Sénat est allé en complicité, na justice. Ma cambo moko, pourquoi comprendre, répéter. Sénat est n'a qu'à protéger n'aï, Sénat est en disant pour travailler na justice, pour ma cambo, au moins n'a pas. Donc, yo nde okoloba. Est-ce que tu as un état de droit ou que tu as un état de droite? Nga na koloba ngo te, mais yo ozali journaliste professionnel, ndenge to ebi yo. Yo moko nde okokombi. Chers amis, si vous avez suivi Matata Mponyo ici, moi j'ai un problème avec les professeurs. J'ai un problème avec les professeurs. On n'a pas ouvert les téléphones aujourd'hui. Lundi, on n'ouvre pas les téléphones. Je suis désolé. Alors, chers amis, j'ai un problème avec les professeurs. Matata Mponyo ici accuse le Sénat et dit « Le Sénat était censé me protéger. Où est l'état des droits ?» Chers amis, quand la justice demande au Sénat, nous avons, voici les éléments que nous avons. Nous avons besoin d'entendre ce sénateur, mais comme il est couvert par les immunités parlementaires, nous avons besoin de vous, le Sénat, de pouvoir organiser une session pour lever ces immunités et nous envoyer ces messieurs juste pour qu'ils soient entendus par rapport aux confirmations, ou disons à la confirmation de ces charges. S'il est confirmé, si les charges sont confirmées, comme ça, il sera retenu chez nous pour qu'il réponde de ses actes. Le fait que le Sénat ait autorisé à la justice Oketoyokio to enlever l'immunité à sénateur Otozanaye, vu les éléments que vous avez présentés, Bozoyenan Boyokaye, pour Matata Mponyo, l'état des droits n'existe pas. Est-ce que les professeurs d'université en RDC, vous êtes en mesure de nous expliquer ce genre de choses? Nazo comprendre, Matata Mponyo, tu es docteur, comme de Vos Kitoko. Est-ce qu'il y a une confusion sur ce qu'on appelle l'état des droits? L'état des droits, donc, qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au Sénat d'enlever tes immunités. Si le Sénat le fait, état des droits est athée. Nous sommes dans un état dictatorial, pas question d'un état des droits. Finalement, moi, je pense que Fatih, il fallait au long de concept de l'état des droits au Tchanan Pembeni. J'ai suivi un ami. Un combattant qui est allé au Congo, qui dit que pour l'instant, combattant à Tambola Ranamali, il n'a pas toi. Pour l'instant, en RDC, s'il vous plaît, monsieur le président, combattant Zolo Bandengwana Lobby, en tout cas, la démocratie pour l'instant, en RDC, ça sera un échec. Les gens doivent être éduqués avec rigueur, peut-être avec les fouets aussi. Quand un professeur nous dit que le fait que le Sénat a décidé que Longola immunité naïe, pour lui demander d'aller s'expliquer, donner des explications dont la justice a besoin, ce n'est pas un état de droit. C'est autre chose. Un professeur d'université. Voilà pourquoi ce sont des professeurs. Je pense que mes amis, hein, chers amis, j'étais têtu à l'université. Roger Mikobi, tu peux témoigner. John Tanga, vous pouvez témoigner. Beaucoup d'amis qui me suivent ici. Il y avait des professeurs à côté de la salle de classe. Tu es ici, non, merci. Soit tu quittes, soit tu es ici.
tout en examen. Moi, je vais me préparer peut-être en chambre, na campus, na façon. Quand un professeur vient, vous sentez vraiment que c'est un petit enfant qui vous parle. Ils n'écrivent pas, ils ne font pas de recherches, mais ils sont là toujours des professeurs comme de vos scriptos, qui croient que pour un président qui vient, ce que c'est qu'il faut passer les troupes en revue, il faut que le président Yamboka, Azala Nassima, non, Azala Liboso, ou Sengi qui a passé les troupes en revue, Azala Nassima. Est-ce que c'est la haine? Point d'interrogation. Est-ce que c'est l'ignorance? Point d'interrogation. Est-ce que c'est la médiocrité? Point d'interrogation. On peut toujours faire une conclusion. Matata Mponyo condamne ici le Sénat. Nous ne sommes pas dans un état de siège. Le Sénat était censé me protéger. Il ne me protège pas. Le Sénat et tous les autres, nous ne sommes pas dans un état de droit. Matata, toi, tu vas nous montrer ton état de droit. Tu étais ici, hein, Premier ministre. Tu peux nous donner un exemple d'un état de droit? Oh, yozo, salila. Allusion, je sais que Batonao Bazolanda ba émission ya boy. Comme ça, tu nous donnes un exemple d'un état de droit selon ta vision. Peut-être tout comparer, est-ce que ce que tu as fait comme état de droit et ce que nous sommes en train de vivre, il y a une différence? Ah, Matata a raison. Essaye un peu de nous dire ça. Basenga Senate, allons la immunité na yo. Chers amis, Matata a déclaré ce qu'il pouvait déclarer et la situation passe. Là, il cherche, il dit qu'il a un problème de santé, il faut qu'il aille dehors. Mais pour faire des points de presse, ça va. Pour critiquer, ça va. Et là, tu es ici, tu étais Premier ministre. Monsieur le Président de la République, ce sont des petites choses qu'il faut. Je vois d'autres pays qui se sont décidés que si un ministre qui était ministre ici, toute autorité tombe malade. Tu n'as pas le droit d'aller à l'extérieur. Tu te soignes ici. C'est ça. C'est ça. Alors, chers amis, notre sujet du jour, divorce consommé entre Martin Fayulu et l'Église catholique, on en parle. C'est le sujet principal de notre émission d'aujourd'hui. Je crois vous avoir dit beaucoup de choses sur ce mariage. Le mariage qui a commencé à voir le jour depuis qu'un groupe de gens de l'Occident était déterminé à utiliser Martin Fayulu pour peut-être leurs intérêts, mais ils n'ont pas pu, Dieu merci. Naoka Mundele Moko Bayambi et un pasteur Bobo que je salue en passant, en Europe à Lobby, Dieu savait que Martin Fayulu, s'il passe comme président, ce n'est pas un Congolais, ce monsieur-là. Et il n'y avait pas encore tout ça. Mondele Moko Alobi, si Martin Fayulu n'est pas arrivé à être président de la RDC, c'est la volonté de Dieu. Dieu voulait ça. Voici les plans qui étaient derrière Martin Fayulu. Torozong la dossier Anate. Mais l'Occident avait travaillé, mobilisé derrière Katumbi et ses partenaires et l'Église catholique pour appuyer Martin Fayulu. Voilà pourquoi l'argent était sorti facilement. Voilà pourquoi tout était bon. Mais maintenant, voilà pourquoi même l'Église catholique, voyant déjà la position des élections, l'Église catholique était la première à annoncer les résultats. Chers amis, ici, je ne remets pas en cause le fait que Martin Fayulu a été voté massivement par les Congolais. Mais ici, le problème est que l'Église catholique, voyant qu'elle n'était pas en mesure de justifier l'argent de l'Occident, avait tout de suite pris la position de confirmer la victoire de Martin Fayulu, seulement pour créer un peu un désordre dans les têtes des Congolais. Puisque nous tous ici, nous savons que la victoire de quelqu'un est confirmée d'abord par les observateurs, par les différents centres de compilation des partis politiques, par les témoins de partis politiques, par tout le monde qui était autour, des observateurs nationaux et internationaux, et aussi par la commission qui a organisé les élections. Dans tous ces processus, l'Église catholique n'avait pas raison. Puisque nous avons vu, la coalition, la MOCA, était plus préoccupée par la campagne, ils n'avaient pas organisé des témoins. Je n'ai aucune photo, je n'ai aucune image
des témoins de la MOCA formés pour observer des élections. Je ne sais pas si vous en avez envoyé moi. Donc, cet aspect des choses, même si il peut y avoir des tricheries, la tricherie des élections ne se fait pas le même jour. Il y a beaucoup de réalités autour qui peuvent accompagner à la tricherie. Mais vous n'avez pas, l'Église catholique, n'avez pas pensé à contourner cette tricherie, si réellement il y en avait. La MOCA était plus préoccupée par la campagne à l'américaine. Ils ont oublié des aspects très importants, notamment la formation des témoins. Il n'y avait pas de témoins de la MOCA. La confusion autour des machines, tozoaté. Et l'Église catholique a induit Martin Fayulu et la MOCA en erreur. Puisque tantôt il se contredisait, tantôt il parlait le même langage. Nous avons 40 000 smartphones. Les 40 000 smartphones sont venus de 11 pays de l'Union européenne. Tantôt, de l'autre côté, Katumbi qui dit « Nous avons envoyé 40 000 smartphones et les 40 000 smartphones utilisés par les Congolais, nous tous ici qui sommes des Congolais, on n'a eu aucun frère ni sœur qui a eu à observer des élections pour les comptes, ni de la MOCA, ni de l'Église catholique, et qui a eu à utiliser un smartphone pour transmettre les données des élections. » Donc, tout ça, c'est imaginaire. L'Église catholique n'a pas pu prouver que nous avons eu autant d'observateurs sur terrain, vous et moi. Ça, c'est ce que je dis, je n'ajoute rien, je ne retranche rien. C'était un mensonge. Ils ont trompé Martin Fayulu. Juste pour caresser Bateau Bapesa Kimbongo. Et ils ont continué à faire semblant de ces partenariats, alors que l'Église catholique n'a pas dit la vérité à Martin Fayulu. Nenge Bomona, Caméra Longwa n'a pas résultat, une bonne partie, à Kei Kokutana, à l'Église catholique. Voici, nous avons à peu près 40% des résultats. Sur ce que nous avons ici, il y a Tshisekedi qui est en tête. Nous avons besoin de voir ce que vous avez, comme ça nous faisons la comparaison. Je ne sais pas si vous avez cette vidéo-là. Moi, j'ai ça, j'ai les sons même. Monsieur Labéchol l'a dit, nous sommes d'accord, quand nous avons passé tous les résultats que vous nous avez amenés en revue, tout est bon. Mais il y a Bissot et l'équipe, il y a Bino, puisque Bissot est un nombre rébellé. Vous avez 40%. Il y a Bissot et ça, si c'est 60 ou 70%. Mais il ne les a jamais montrés. Il a dit ça à Kamere. Kamere a kangi si ba résultat naïe, a zongi nandako. Église catholique continue à tenir des points de presse presque chaque semaine. Aucune preuve. Aucune. Parce que nous avons une équipe. Moi, j'étais à Kinshasa et nous avons une équipe à Kinshasa. Aucune preuve, même un papier. Il y a bulletin de vote que Yangoyo, les journalistes Bozoata, 10 cartons Oyo, prenez peut-être que chacun prenne un papier pour voir qui est le mieux élu sur ces papiers-là. C'est la moindre des choses. L'Église catholique n'a jamais montré même. Voici le modèle de smartphone que nous avons acheté. Puisque notre souci était d'aller jusqu'à l'usine où. Il sait que ce qui a acquis ce téléphone, que Oeza Samsung, tu as Samsung, tu as checké, tu as pris, tu as quelle est la compagnie qui fabrique ça, ce qui est en Chine, c'est ça l'investigation. Ni les téléphones, ni les PV, ni les centres de compilation, on n'a rien vu jusqu'à aujourd'hui, 3 ans. L'Église catholique était en train de mentir, Martin Fayulu. Moi, je dois dire la vérité dans ce sens-là. Quelle est la possibilité d'insérer Martin Fayulu dans le vrai processus électoral? Il voulait utiliser la CENI et s'imiter. Puisque la dernière cartouche était que le côté Union Sotorate, il faut maintenant te garantir que Motunabiso va jouer le rôle de soutenir Martin Fayulu dans le processus électoral et s'imiter, puisque je dois vous montrer une vidéo. Calcul Basalaki est simité puisque PPRD a Timbeli Bango, l'Union Sacrée a Timbeli Bango, calcul est quoi, Nenge Bomoni Makambouane Eliki. Alors, pour soutenir Martin Fayulu, tellement Katumbi quitte Martin Fayulu, l'Union Sacrée menace Martin Fayulu, ils viennent encore pour dire. Nous nous associons à vous pour vous accompagner dans cette lutte.
ce que vous dites là, biso peto saliango et comment problème na biso. Donc nous allons demander la dépolitisation. Martin Fayulu était content. Il dit, d'accord, j'ai un allié de taille. De ce Kabila, c'est et c'est l'Église catholique qui a encouragé Martin Fayulu à s'associer à Kabila. Vous allez dire, peut-être je raconte des choses, je ne les dirai pas. S'il y a quelqu'un qui a un avis contraire, qu'il fasse l'émission, tu as menti. Ce n'est pas l'Église catholique, c'est tel. Non. Tout est passé par l'Église catholique. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'ils vont monter les blocs patriotiques. Fayulu, presque en tête. Kabila, qui voulait aussi être en tête, n'est pas été roulé par Fayulu. Fayulu croyait peut-être utiliser le FCC pour gagner les élections. FCC dit, nous allons utiliser Fayulu. D'abord, sa base, Toro Suisse et Ango. Comme ça, nous allons nous positionner en 2023. Nous avons comme soubassement l'Église catholique. Fayulu, je sais que Fayulu a signé ses blocs patriotiques puisqu'il a vu que l'Église catholique est dedans. L'Église catholique lui a donné des assurances. Tolali, tolamouki, total à discours et bandit qu'on changé, mais à quatre à l'Église catholique. Chers amis, ce qu'il y a aujourd'hui, il y a eu un point de presse. L'Église catholique a parlé. Mais qu'est-ce que l'Église catholique a dit? Écoutez, l'aide de Tomoni Makambo est changé. D'abord, l'Église catholique va d'abord concerter Martin Fayulu. Voici les niveaux Tokomeli. Puisque je ne crois pas que leur gouvernement va cueillir par Monseigneur Ambongo, c'est là qu'il y a une visite non planifiée. Ils se sont appelés. Et pourquoi l'Église catholique, quand vous avez vu qu'il y a eu une forte délégation qui vous annonce une visite, pourquoi ne pas appeler votre partenaire? Monsieur Martin Fayulu, est-ce que vous êtes là? J'ai une visite. Ou soit conditionné les visiteurs qu'on le voit que non, je ne suis pas seul. La structure qui réclame la dépolitisation de la CENI. Est-ce que vous pouvez permettre que j'appelle mon partenaire, même ce qu'on bengi Kabilate, mais au bengi Martin Fayulu, Bozalanaye sur place, que Toyo Kamakamu gouvernement a Yelbiso. Et étant sur place, Martin Fayulu peut aussi mettre un peu moi Barnaye, un peu moi Licolo, pour réclamer aussi quelque chose. C'est ça la politique. L'Église catholique se contente de recevoir tous les gouvernements, seuls. Martin Fayulu sous-informé. Ça, moi, j'ai dit que c'est une traîtrise, c'est une trahison. Et même si aujourd'hui, Martin Fayulu décide de divorcer avec l'Église catholique, il a raison. Il avait fait un mauvais choix. L'Église catholique ne lui a pas dit la vérité. L'Église catholique ne joue pas un vrai jeu avec Martin Fayulu. Bakéi Bayamba ni tout ça, Balongoana, Bakéi Paya SSC. Or, ce sont les deux personnes qui ont poussé Martin Fayulu à prendre la position qu'il avait et qu'il a même aujourd'hui. Dépolitisation de la CENI, non à Kadima, puisqu'il a été choisi en dehors, il y a consensus. C'est ça les discours de Martin Fayulu. Et qu'il a eu des forces auprès d'abord de l'Église catholique. Dans mon Église catholique, Babandiko Sangana, discours est bandiko changé, Bakéé pas SSC, discours est changé, et les jours suivants, Baza n'est pas le président de la République. Mais si vous êtes dans cette lutte de la dépolitisation de la CENI, pourquoi vous avez abandonné Martin Fayulu? Tobi Mabo, Totalaboy, Monseigneur Otembi a changé discours. C'est ça le discours qui a révolté Martin Fayulu avant que Tokomana point de presse y allait l'eau. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter. Et tant pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra, mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui. Donc, ce sont là les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant. Awa et Komi, voici nous devons fédérer, voici nous devons mutualiser des forces. Vous avez laissé votre partenaire où? Devez-vous dire demain ou après-demain
Qu'est-ce qui a poussé l'Église catholique à faire ce demi-tour à 90 degrés? Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Martin Fayulu à Tikali, maintenant là, presque seul, Maboko Namoto. Alors, ah oui, comme il y a un temps pour tout. Mais quand vous êtes allé dire à Martin Fayulu, vas-y, nous sommes derrière toi, avec un plan de y a activité à ma marche, pour dire non à la CENI, non à la loi organisant la CENI, non à Kadima. Vous étiez ensemble, non? Maintenant, quand il faut marcher maintenant, regardez dans la même direction. Il y a un temps pour tout. Vous l'avez mis où? Et le Kiwana Lelo, point de presse, c'est Salemi, puisque Elokwana est Pessi, la Mouka Kanda Yako Saranate. Il y a un moment qui marche à samedi, marche à Nézamboulate. Oh non, Nenga Yoki Bandekomosus, non, marche à Salemi, c'est pour Namboul. Moule ici, il est à 9h. Marche est programmé toute la journée du samedi. Est-ce que marche, c'est nécessaire que marche et Salemi Makana à 8h, 9h et Zalate? Marche et Koukaïko Banana à 8h, et Koukaïko Banana à 10h, et Koukaïko Banana même à 16h. Et ça qui marche, c'était les problèmes qui a déstabilisé, c'est ça. Donc, ce discours a tout changé. Ce que je veux dire, c'est que marche, et ça l'imite pour Nambula, mais on a aussi un abino tout, bana la mouka, bana PPRD, bana église catholique, pour faire respect à nos combattants. Vous savez, marche, bas combattants, ça l'a cité, na poto, États-Unis, Europe, Asie, Liban, et cause à moins 10, moins 20. Au moment où on a fait ça, la marche, ma boko na poche, puisque akobim sa ma boko te. Il fait très froid, mais il marche. Bino kono mamboule à mouke. Et s'il écoute à 9h, ou le bino marche, ça limite pour mamboule. Respectez les combattants. Respectez les combattants, puisque marche, ce n'est pas une question à mamboule. Il y a température, il y a jurouana. Écoute à la moïe maka, sinon, les lotus salles marchent, c'était puisque moïe le kimakas. Écoute à la petite. Alors, Marchouana, ce qui a déstabilisé, c'est ça, et le calendrier est annulé. Les lots, point de presse, c'est se tenir dans l'Église catholique. Balinga va clarifier leur position. Voici ce qu'ils disent. L'Église catholique a bandi copé sa position naïe. Alors, batu à la mouka, bayaki wana. Pour la kobeta Zenko. C'est quoi ça la point de presse na yena kati ba yewana mais na position ya collaboration te na position ya ko beta 5. Je vous donne un extrait au Esselmi na salle bolanda ce qui s'est passé l'air monsieur l'abbé Cholet azolo bazo pe sa détail na ba raison na bango. Suivez ça, je reviens à vous. Vous avez c'est de faire ce qu'il doit faire eux. Chacun de prendre ses responsabilités. Quand le laïc, les évêques les encouragent, ce qui s'est passé, les manifestations qu'ils ont faites là, la Sainte-Cour ne s'est pas a trouvé ça normal. Il ne s'est pas opposé à cela. Et ils sont dans le rôle de citoyen. Les évêques participent. Congolaise et dehors pour demander à mon Seigneur Koutendi tente-t-il par une étape franchie? C'est quelle étape qui est franchie? Non, il ne faut pas avoir l'habitude de chasser les gens. Je vous laisse le message de tout. Vous comprenez avec des gens comme ça, les pays d'aller de l'avant. Il faut quand même respecter les droits des uns des autres. Et c'est juste au moment où je disais qu'il ne faudra pas que les partis politiques se cachent derrière l'Église et demandent à l'Église ce qu'il doit faire. L'Église catholique n'est pas une opposition, on reconnaît ça bien. L'Église catholique ne rapprochera pas les partis d'opposition.
Alors, chers amis, vous verrez là, je vous explique ce qui s'est passé exactement. Monsieur l'abbé Cholet faisait son point de presse, Serge Wello, avec des pombas, mon indenga kotu anana ba pomba. Bazaki ebele ba musu ba kangi ba mona porte. Aïe, ce n'était pas pour poser la question. Mais nasnaye a eko réduire yango na question pour dire nous voulons savoir que basango ba ibisabiso quand vous dites qu'une étape a été franchise. Alors, qu'est-ce que étape franchise plutôt, c'est qu'est-ce que Monseigneur Outembi veut dire? Sokalobi non, étape Moroisa déjà franchie. Est-ce que qu'est-ce qu'il dit? Alors, et Pesikanda point de presse et Katani. Serge Wello ici, ce que Bolandi na Batuseto, Basala qui marche, au moins Moutumo va vendre na Sewana lobby. Boya ko filmer ngai pour hein, Batumusu Bazara poste vraiment les militants. Basala moi buzz penza que non. Je suis combattant, ainsi de suite. Azaki na sewana samedi, avant de devant la police, à l'objet, beau filmé ngaï. Yo, y'a qu'à filmé ngaï comme ça, na chana YouTube. Alors, Serge Wello, qui a embrouillé, qui a perturbé tous les points de presse, ma question naïe, baye koubi misaye wana. Et voilà maintenant, Monseigneur, Monsieur l'abbé Cholet dit, est-ce qu'avec ce genre de personnes, on peut, le pays peut aller de l'avant. Ngana lobi me oyebi moto na bosala kana eba réunion presque. Aza moto la moka. Le bokenda ko luka la moka boeba ki que c'est une structure oyo avec laquelle le pays peut aller de l'avant. L'église catholique a arrêté de nous chers amis Serge Wello a sali yo manayo wana. Maintenant l'église catholique va donner une position claire contre l'opposition de Martin Fayulu. Je tiens à dire ce mot parce que c'est très important. C'est très important. Vous avez vu quel spectacle désolant on vient de vivre ici. Hein? Quelqu'un qui vient pendant un point de presse, faire ce qu'il a fait là, au nom d'une prise de position politique. Je le répète, il ne faudra pas que les partis de l'opposition se cachent derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Quand la prise de position de la CENCO arrange les intérêts d'un parti politique, en ce moment-là, la CENCO est applaudie. Quand ça n'arrange pas les vins de vie, on crache sur la CENCO. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se retournent contre la CENCO. Plus jamais. Voilà, là, la CENCO est claire. Plus jamais, quand on dit plus jamais, c'est-à-dire que, bon, il pouvait dire ça ne se fera plus ou ça ne se fera pas, mais quand il dit plus jamais, donc c'est une ligne rouge, une collaboration avec l'opposition de Martin Fayulu. Et il les regrette, il dit, regardez les comportements que la Moka a fait dans cette salle. Et pour Monsieur l'abbé Cholet, la Moka voulait profiter derrière l'Église catholique pour accéder au pouvoir. Et l'Église catholique comprend que Tosungabino, quand vous êtes encore sans position, Soki Tosungibino Bokobeta Maboko, Soki Tosungibino Bokomi na pouvoir, Bokomi Kobunsabiso, ça ne se fera plus jamais. C'est-à-dire que on dit l'opposition, oubliez-moi, oubliez la CENCO, oubliez l'Église catholique. Donc, les divorces. Je ne sais pas s'il viendra encore corriger ces histoires, puisque là, nous considérons que le divorce avec la Moka est consommé. L'Église catholique va même plus loin. Chers amis, peut-être Boyoka qui, je l'avais annoncé, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que même ils sont arrivés, mais m'a demandé pardon pour tout ce qu'ils ont fait. Balobi, ils partent maintenant avec le gouvernement sur de nouvelles bases. Suivez dans ça, c'est ici que M. l'abbé Cholet demande pardon aux Congolais pour ce spectacle désolant aux côtés de l'opposition qu'ils se retrouvent aujourd'hui pour demander pardon. Suivez très bien ce message et je reviens à vous. Normalement, c'est le diable qui divise. Et là où la religion divise, c'est là où on veut mettre le diable à côté. Jésus qui a dit « Heureux les artisans de paix », il dit «
en Jean 14, 27, que ce n'est pas la paix. Non, non, en Matthieu 10, 34 à 36, ce n'est pas la paix que je vous amène, mais l'épée. Une famille de cinq sera divisée, ceux contre trois. L'homme aura pour des ennemis dans sa propre maison. On le croirait en contradiction quand il dit heureux les artisans de paix. Lui qu'on appelait prince de paix. Mais les choses deviennent claires quand il dit c'est ma paix que je vous donne en Jean 14, 27. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Donc, la paix de Dieu qui consolide la cohésion sociale, c'est la paix qui s'appuie sur la vérité, qui s'appuie sur l'amour, qui s'appuie sur la justice. Et je finirai mon propos en demandant pardon pour le spectacle de désolation que nous avons fait dans le cadre d'une certaine plateforme de confession religieuse. Et je termine en demandant pardon à vous tous pour ce spectacle désolant que nous vous avons offert dans le cadre de cette plateforme de confession religieuse. Point final. Allez-vous accepter ces pardons? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner l'Église catholique? Moi, je suis prêt à vous pardonner, mais je vous demande quelque chose qui manque. Les pardons, oui, mais on n'oublie pas. Je souhaite que vous puissiez encore faire un petit tour de retour pour nous dire, outre les pardons que je vous ai, que l'Église vous a présenté un jour, je reviens ici pour vous dire que nous avons divisé les Congolais avec de forts résultats. Martin Fayulu n'était pas élu président de la République. Nous avions fait ça peut-être pour... Là, ce pardon-là sera à 100% consommé par moi qui vous parle. L'Église catholique, vous nous avez divisé. L'Église catholique, vous avez joué un très mauvais rôle. Vous nous avez divisé. Il manque encore quelque chose, puisque Bino... Vous insistez que dit tout. On dit tout. Ici, dites-nous maintenant la vérité. Qui avait gagné des élections? Comme ça, ce pardon-là aura eu un sens quelque part. Mais si vous nous dites tantôt, oui, pardonne, on pardonne. Mais est-ce qu'on peut connaître la vérité de tout ça pour lesquels vous demandez pardon aujourd'hui? On pardonne pour vous dire, nous vous avons offert un spectacle qui ne pouvait pas être offert en ce moment-là. Tondimi, c'était quoi le spectacle? Et qu'est-ce qui devrait être fait? À quel niveau vous vous trouvez touché pour demander pardon aujourd'hui? Dites-nous. L'Église catholique, vous ne nous avez pas dit la vérité. Moi, j'attends qu'une autre vérité quelque part. Oui, c'est vrai, nous vous pardonnons. Mais nous vous pardonnons pourquoi? Spectacle que nous vous avons offert. C'était quoi le spectacle? Vous attendiez le président de la CENI, peut-être par nous, ainsi de... Et comment on est arrivé là? Dites-nous la vérité. Si vous nous dites la vérité, vous serez libéré. C'est la vérité qui libère. Si vous nous... Toron, il m'appelle... Pardon, mais la bonté, il faut qu'on sache pourquoi on doit accepter ce pardon. L'Église catholique a rendu un très mauvais service aux Congolais. Aujourd'hui, on est divisé sur base de votre positionnement qui était teinté, basé sur des positions que vous connaissez même. Alors, pour terminer mon message à la famille présidentielle, chers amis, je prends une position sérieuse pour donner ce message à la famille biologique du président de la République. Chers membres de famille, aujourd'hui, Tozo Betela, Congo Hold Up, Maboko, puisqu'on est en train de coincer Joseph Kabila. 15 jours, il y a publication, il y a détournement, il y a tout ce que Kabila a fait pendant 18 ans. Qui de nous ici, qui de votre famille biologique de Félix Tshisekedi Tshilombo ou de Tien Tshisekedi? Quand je parle de la famille biologique, je vois les frères et sœurs, les cousins, les neveux, les ceci, tout le monde là. Personne ne pouvait avoir en tête qu'un jour, ce qui est arrivé à Kabila pouvait arriver.
ici, je vous envoie ce message pour vous dire encore que ne soyez pas surpris que ce qui est arrivé à Kabila arrive à Félix Tshisekedi. Et pour Félix Tshisekedi, c'est grave encore, puisque ça sera avant 2023. Chaque jour ici, nous sommes en train de documenter l'enrichissement illicite au sein de la famille présidentielle. Chers amis, je l'ai dit, les journalistes n'ont pas d'amis. Je suis sur plusieurs dossiers. Je suis sur un dossier d'une sœur du président de la République qui séjourne dans les Lualaba depuis maintenant 3 mois. Au moment où je fais cette émission, elle est encore là, à la recherche des carrés miniers. Elle en a trouvé. Les dossiers complets est ici. Et même les documents. Je quitte ici, j'ai un dossier encore ici. Des membres de la famille qui étaient chômeurs, qui n'avaient pas un travail, mais qui louent une maison abandonnée dans Montfleury, puisque c'est une maison qui coûtait cher. 12 000 dollars par mois. Cette maison est habitée par un membre de la famille qui n'a pas du travail. Et nous, quand nous faisons les suivis en bon 12 000 par mois pour nous faire l'andak ou takawapi, c'est triste. Les journalistes n'ont pas d'amis. J'ai un dossier sur ce qui se passe à Loufou. Nous sommes en train de vivre des phénomènes encore Zoé Kabila, ou soit les phénomènes Saddam de Mobutu, par rapport à ce qui se passe à Loufou, je suis dans le Congo central. Chers amis de la famille présidentielle, il y a des dossiers comme ça. Je ne suis pas le seul. Peut-être je serai le prochain à publier les Congo hold-up de la famille présidentielle actuelle. Puisque tous ces dossiers, c'est une honte. Soyez prudents, sachez que le président de la République a encore un mandat. Si vous vous livrez à ce genre de choses, moi, je n'aurai pas d'amis. Et peut-être si moi, je vais avoir des amis, peut-être d'autres médias n'auront pas d'amis. Ne croyez pas que ce qui s'est fait pour Kabila aujourd'hui, toute la semaine, maintenant nous sommes à la 10e journée, des publications d'enrichissement illicite, ça viendra encore. Mettez ça en tête, que ça viendra pour Félix Tshisekedi. Et vous risquez de rendre un très mauvais service au président de la République. Et ça, nous ne pouvons pas encourager un comportement pareil. Alors, je vous encourage et je vous demande de rectifier vos tirs. Tous les dossiers qui tombent sur notre table, chers amis, je l'ai dit et je suis sérieux, que les choses, les Congo hold-up pour la famille d'Étienne Tshisekedi va être publié avant 2023. Est-ce que Tshisekedi Félix peut se dire fier de sa famille aujourd'hui? Je n'ai pas fini les dossiers. Et quand je parle d'un dossier, moi, Honoré, en tant que journaliste, je vérifie pièce par pièce, je me dis, ça c'est un dossier vrai. Et je prends les téléphones, j'appelle. On me dit, oui monsieur, ce que tu as vu, c'est ça. Nous sommes en train de compiler. Il y aura un Congo hold-up pour Félix Tshisekedi Tshilombo. Soyez prudents, la famille biologique du président de la République. Et je m'arrête par là pour aujourd'hui. Chers amis, merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Partagez-la si vous l'avez aimé. Et puis, merci à ceux qui s'abonnent si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Et likez l'émission, partagez l'émission, abonnez-vous avant de quitter et je vous serai très, très, très reconnaissant. Alors, je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va protéger Watt. Ah, ben, tira Watt. Yango tika da foutez! Ma pisse en a coaching à Machoyo. Ah, ah, ah! Papa! Didi! Wouah! Il benga son yabaka de l'autre côté. Eh? Bo fingi pe ming. Okazi yango, bo kote. Yomo go kote! Kote! Yomo go! Bon.
Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et bêta makanambouma ou ils en a 4 lettres. B, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au coup, mes champions.